Yo les gens, c'est Lolo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour la première vidéo qui sera postée sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous voyez que je regarde vers le haut, c'est parce que ma télé est en haut et que la caméra est juste devant moi. Donc voilà les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle vidéo, pour la première vidéo de la nouvelle chaîne, donc I'm Lolo in Life Fut. Donc on se retrouve pour une petite vidéo d'achat-vente, une technique assez simple, assez courante pour commencer, voilà tout simplement. Mais que je remasterise un tout petit peu à ma sauce, si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça, enfin oui, je peux dire ça comme ça très simplement. Donc une petite vidéo, voilà, que je remasterise à ma sauce entre guillemets, qui est tout simplement de la tech millionnaire, sauf que voilà, moi je vais pas suivant un barème, etc. Je vais vraiment suivant, je vais un peu à la Walgen, tu vois. Donc voilà, donc pendant que j'achète les joueurs, vous avez vu un Pjanic, donc il y a des styles adéquats. Donc genre Pjanic est MC, hein, nous sommes d'accord, il est MC. Et donc il aura son style adéquat qui sera de moteur tout simplement. Donc je vais vous en faire deux ou trois pour que vous voyez un peu. Hein. De toute façon la technique est vraiment, vraiment extrêmement simple. On va tout simplement rechercher son prix minimum, puis moteur. Et on va acheter le moteur le moins cher avec le plus de contrats. Donc ici voilà, vous voyez qu'il a 5 contrats et tout. Donc on regarde 1100 plus cher, toujours rien. Donc ça va sûrement... Ouais, ça va être très sûrement, voilà, ça va être sûrement celui-ci. Donc on l'achète tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est vraiment extrêmement simple. On va faire lister et on va le relister à 800 crédits de plus. Donc ouais, il y a des barèmes qui disent que voilà, il faut les mettre pour 1000, genre 1100 de plus, naninanana. Bah moi, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas ce barème. Donc avant ça, je vais relister. Donc moi, je ne suis pas vraiment ce barème. Je suis pas fan des barèmes, etc. Donc voilà, hein. On va faire un deuxième exemple, Anthony Martial. Faut savoir que là j'ai vendu 5, 6, 7 joueurs, 7, 6 joueurs. Enfin bref, admettons que j'ai vendu 5 joueurs en une liste, une reliste, en sachant que je n'ai que 30 joueurs de cette technique sur ma pile, donc c'est vraiment pas mal. Ça part vraiment bien si comment dire, si on ajoute cette tech avec une autre tech que je présenterai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez voir que les bénéfices peuvent vraiment bien bien s'enchaîner. Donc ici on voit 1800, il a 6 contrats, c'est pas mal, on le prend. En sachant que celui que j'avais tout à l'heure, je l'avais acheté 200 plus cher. Donc voilà, je vais le remettre à 2600. Et en fait c'est toujours la même chose. On doit exactement toujours faire la même chose. Donc les bénéfices seront vraiment pas mal. Donc je vais en faire un petit dernier pour la route. Pour vous prouver que ben, cette tech marche. Enfin pour vous montrer encore un dernier. Donc Vertonghen. Donc j'avais acheté 1900 en carte pilier, donc on va partir du prix auquel je l'avais eu tout à l'heure, hein, tout simplement. Vertonghen, je l'avais eu à 1800 ou 1900 je pense. Et donc également cette vidéo sera proposée à la communauté FUT et à la OnlyFIFA, donc pour recommencer sur de bonnes bases ma toute nouvelle chaîne. Donc voilà ici celui-ci. Donc je vais remercier ces deux chaînes communautaires tout simplement s'ils me plaudent. Je compte vraiment faire pas mal de contenu. Cette chaîne sera basée que FIFA. Donc voilà, je compte vraiment faire pas mal de contenu. La prochaine vidéo, on est jeudi. La prochaine vidéo sera ce week-end, je pense samedi soir, où je vous présenterai une technique, voilà, avec des boosts. Comme vous voyez, là, j'ai quelques boosts. J'ai NDI, j'ai Farkas, Serena, O'Brien, Handanovic que j'ai en tech pupute et Higuain que j'ai en tech normal. Donc je vous présenterai la tech pupute, je vous présenterai tout ce qu'il faut présenté. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que une des deux chaînes communautaires au moins m'accepteront. Donc j'espère qu'on sera beaucoup sur cette chaîne. J'espère que vous serez actifs, que vous mettrez des commentaires, des petits likes, etc. Parce que voilà, les commentaires et les likes, c'est vraiment ce qui donne l'envie aux youtubeurs de continuer les vidéos. Donc voilà. Je vous remercie les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc si vous aimez bien ma personnalité, etc. Vous allez voir que j'ai vraiment du lourd à vous proposer. J'ai des petites séries là qui trottent dans ma tête et que je vais écrire sur papier pour pas oublier. Donc voilà. Les gars, c'était Lolo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Geekez et portez-vous bien. Bye.